Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Max Soumichou. Oui, on est là. Fais, présente-toi correctement. Quoi? Vas-y, présente-toi correctement avant que ça dégénère toi et moi. Quoi, ça va dégénérer? Vas-y, vas-y. Non? Vas-y. Non, présente-moi. Tu veux que je te présente? Je suis l'invité. Tu es timide encore? Non. Bah présente-toi. Bah c'est Maxime hein. Maxime. Tout le monde me connaît ici. Ouais, c'est vrai. C'est la street, les gars. Ton Instagram il s'affiche là. Et aujourd'hui j'ai fait appel à lui parce que je risque d'avoir besoin de lui. Regardez comme il est taillé. Tout beau, tout costaud, les triceps, montre un peu les triceps. Biceps, triceps, biceps. Quoi? Triceps, dos, ah, le dos, dos. Voilà. Comprenez? Il est très costaud, mon ami. Et il est célibataire à nouveau. La semaine dernière, il était plus célibataire. Là, il est redevenu à nouveau. On ne sait pas ce qu'il fait avec les filles, on ne comprend pas. C'est mais la vie, hein. Vous pouvez le rajouter sur Instagram, les filles qui regardent cette vidéo. Exact. Mon petit Max Soumichou est ouvert à tout. Homme, femme. Non. Non, non. Bon, femme. Voilà, femme. Bon les gars, aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. On a été contacté par une personne qui est en prison depuis 2 ans et qui a sa femme dehors qui continue à vivre sa vie. Le problème, c'est que lui, quand il est rentré en prison, sa femme, elle n'avait rien à voir avec ses histoires et elle est restée libre. Et aujourd'hui, il doit sortir dans 2 semaines. Aujourd'hui, il se pose des questions sur la fidélité de sa femme. Il pense que sa femme le trompe. Il a des trucs qui lui font croire que, qui lui font penser qu'elle le trompe. Mais lui, il aimerait en avoir le cœur net. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Alors bien sûr, il n'est pas avec nous parce que le frérot, il est derrière les barreaux, mais on va l'appeler et on va lui demander de se présenter, de nous expliquer quel est le problème. Bon les gars, on va appeler Thibaut en espérant qu'il réponde. Ouais, allô Thibaut. Oui. Ouais, c'est Kamoff, ça va? Ça va, ça va. Je suis sur le point d'aller surveiller ta femme. Ouais. Tu me l'as demandé. On est en train de filmer l'intro de la vidéo. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu le contexte? Ça fait combien de temps que tu es avec ta femme? Ça fait 5 ans. 5 ans que tu es avec elle. Et ça fait combien de temps que tu es en prison? 2 ans et tu m'as dit que j'étais rentré pour trafic de stup, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et c'est quoi, un mec qui t'a balancé? C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, ta femme, ça fait 2 ans que tu es avec et pourquoi tu as des doutes? Parce que t'as vu, quand tu as vu, je demande pour l'équipement. Là, son comportement, il a un peu changé. Elle me fait de moins en moins. Je sais pas, c'est du doute. D'accord. Elle te répond moins au téléphone, tout ça, c'est ça? D'accord, d'accord, ok. Bon, écoute, nous on va aller là. Bien sûr, on va aller chez elle, enfin devant chez toi. Et on va voir si on voit un truc de suspect, je t'appelle et je te dirai, ok? Tiens au courant. De toute façon, au pire, dans 2 semaines, tu es dehors, toi. Dans 2 semaines. Ok, ben ça va, ben c'est beau. Bon, ben écoute. Bon les gars, vous l'avez compris, je vous résume un peu la situation. On est dans un cas où un homme est en prison depuis 2 ans, est en couple avec une femme depuis 5 ans et a des doutes sur sa relation et sur sa femme. Donc on va aller devant chez sa femme pour l'espionner, entre guillemets, faire les détectives. Si on voit quelque chose de bizarre, on préviendra Thibaut. Donc on va aller chez elle, on va l'espionner et on vous tient au courant. Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est sa femme, et là, il y a la voiture qui arrive. Elle monte dans la voiture ou pas? Je vois rien. Ah ouais. Ouais. Ok. Reste discret. Reste discret. On est sur en voiture de suite. Bon, les gars, apparemment, ils vont dans un hôtel. Donc, c'est mauvais signe. Hôtel, c'est bébé hôtel. Donc nous on va rentrer, on va voir si s'il sort de la voiture ou si. On sait jamais, j'ai vraiment. Là j'ai très peu d'espoir. Attends, on va aller un peu plus loin. Parce que là sinon on va les rater. Il sort de la voiture là. Attends, on va passer devant. On va passer devant, ils ne connaissent pas ensemble. Ah, il rentre dans l'hôtel. Bienvenue machin, allez hop. Ben on va se mettre devant, on va attendre. Vas-y, on va se garer devant, on va attendre qu'il sorte. Bon les gars, là on est garé encore devant l'hôtel. Donc tout à l'heure, j'avais un doute. Là à l'hôtel, j'ai beaucoup moins de doutes. Donc pour l'instant, je vais pas appeler Thibaut, je vais rien lui dire. Regardez, ça défile. Hein. Regardez, vous pouvez. Voilà, c'est un hôtel, c'est ça défile. Et c'est, ça vient, c'est, ça amène sa copine pour être discret. Et puis ça fait des bails et puis voilà. On va rester ici. Je vais pas appeler Thibaut tant que j'en ai pas le cœur net.
On va attendre qu'il ressorte. S'il passe pas la nuit ici, j'espère pas. Mais voilà, je pense qu'on va rester un petit moment, à part s'il est précoce, le garçon. Mais sinon, on va attendre un petit peu ici. Dès qu'on les voit ressortir, on refilme la scène. Et à ce moment-là, j'irai les voir et j'appellerai Thibaut. Voilà les gars, à tout à l'heure. Toi. C'est eux? Ah ouais, c'est eux. Ok. En fait, attention, ne crame pas la caméra, on va les suivre. Il va repartir en voiture, certainement. Bon, ça n'a même pas duré une demi-heure. Non, mais c'est vrai, c'est cramé, là. C'est cramé. Bon, on les suit. Hein. On les suit et après, on appellera Thibaut. On dirait vraiment qu'on est des détectives privés. Ouais. Ça me déplairait pas de faire ce métier, pareil, Maxou. Ouais, mais bon, jusqu'à présent, on faisait l'expérience sociale à la caméra. Là, c'est vraiment, tu vois. On va le suivre tranquille. Et il est vraiment juste à côté de nous, les gars. Ouais. Juste à côté. Hein. Heureusement qu'il nous connaît pas. Ouais. Voilà, inculé. Monsieur. C'est parti, les gars. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suivre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Hein. Je me dis pourquoi ils iraient dans un hôtel s'ils ont des maisons. Elle a une maison, mais je pense que si elle trompe son mec, ce qui est à mon avis le cas, elle veut pas le faire chez elle parce qu'elle doit connaître les voisins ou l'entourage ou les gens qui... Elle veut pas se faire cramer, donc elle va dans un hôtel. Sauf que nous, on l'a cramé. Donc on va les suivre là. Et voilà, dès que la voiture s'arrête, ben, on ira leur parler, on ira leur expliquer que voilà. On est comme des détectives privés, sauf que nous, c'est gratuit, les gars. On fait ça gratuitement. Vite, on va les perdre. On va les perdre. Allez, bouge-toi le toi, putain. Vite. Allez, allez, allez. Sur la voie de droite là-bas. Tu les as ? Ouais, c'est bon. Vous voyez, ça, il y a la main de la fille qui sort. Putain, on est juste derrière eux. Les gars, de toute façon, là, on va filmer jusqu'à ce que... On va arrêter de filmer jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. On reprendra le tournage quand ils s'arrêtent, parce que ça sert à rien qu'on filme la voiture. Et dès qu'ils s'arrêtent, on reprend la caméra et on refilme. Voilà. Donc, à de suite. Ouais, c'est eux. C'est eux. Vas-y, je trace. Bon, je pense qu'il la ramène, c'est au même endroit que tout à l'heure. Donc il doit la ramener chez elle. Et là, si je me trompe pas, il va tourner. C'est tout, je cherche pas, hein. Je vais appeler Thibaut, je vais lui dire. Ouais. Donc, je vais me garer ici. Continue à filmer. Vas-y, oh putain, tu vois. Ça me fait un bisou. Viens, Alex, viens. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Je viens de la part de... Venez madame, venez, faut que je vous parle. Bonjour. Madame, excusez-moi. Je m'appelle... Anthony. Je m'appelle Anthony et j'ai un ami qui veut vous parler. Donc je vais l'appeler, je vais vous le passer. D'accord ? C'est vous. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Vous connaissez Thibaut ? Oui ou non? Ouais, Thibaut? Ouais, dis-moi. Ouais, je suis avec ta femme. Ouais. Et je te la passe, écoute. Je te la passe. Ouais, je te la passe. Passez-moi le téléphone. Thibaut ? Comment vous appelez-vous ? Je me trompe pas là. Attends Thibaut, comment il s'appelle ? C'est quoi son prénom ? Parce que sinon je vais prendre la photo, je vais lui envoyer. C'est ça que tu veux ? C'est ça ton prénom, je suis pas ça. Attends Thibaut. C'est quoi votre prénom ? C'est pas vous le dire. Non, allez. Je le prends en photo. Thibaut, je vais prendre en photo. Je te la prends. Ouais, je t'envoie sa photo. D'accord ? Voilà, mais je te l'envoie de suite. Bouge pas, je te l'envoie là, de suite, regarde. T'explique Thibaut, parce que oui, apparemment ta femme elle veut pas te parler, l'autre il a pas les couilles de dire qui c'est, alors je t'explique. Ils sont partis tous les deux, je les ai suivis de chez toi, donc de ta maison, là je suis devant chez toi. Ils sont partis à l'hôtel. Ça, si, madame, parce qu'on a. Vous voyez la caméra qu'elle a là-bas en plus ? On a tout filmé. Donc ne dites pas non parce qu'on vous a. On va aller voir rentrer à l'hôtel. On va rentrer à l'hôtel. Ils sont 30 minutes. Et là ils ramènent. Et là ils viennent de la ramener. Tu vois qui c'est le mec ? T'as reçu la photo ? Tu as reçu la photo ? Tu le connais ou pas le mec ? Non,
Sortez, mais... Sortez. Ça va aller loin, j'ai pas envie, moi, de... Ça va aller loin, de quoi? Ça va. Vous allez juste vous filmer. Oui, on filme. Bah, moi, on filme. Vous voulez pas chercher la voiture? Non, c'est... Ah. De quoi? C'est si... Pourquoi, tu le connais? C'est ça, tu l'as balancé, là. Non, arrête, moi, vous connais. Je suis rentré pour lui. T'as, je te le passe, check. Ta femme a dit qu'elle est pas au courant. Elle dit qu'elle est pas au courant. Attends, je te passe le mec. Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, je sais pas. Vous jouez avec le feu, madame, je suis désolé de vous dire ça, mais... Écoute, tu veux. Toi, s'il te plaît. C'est moi qui cherche de quoi? C'est lui qui m'appelle, qui me gêne. Mais parce qu'il a des doutes. Le mec, il a enfermé. Le mec, il a enfermé. Il a des doutes, il peut pas vérifier ça de lui-même. Mais moi, je me mêle de ce que j'ai envie. Il a dit ferme ta gueule. Bon. Tiens, je te repasse. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est des menaces? Dans 2 semaines alors. Tu t'attends à la sortie? Parle bien, ferme ta gueule, parle bien. Entendez-lui? On m'a appelé, j'ai dit de vous surveiller. C'est ce que j'ai fait. Et vous n'êtes pas posé la question, ça m'a arrêté pour l'instant. Est-ce que vous êtes posé la question? Parce que vous dites à moi, oui, c'est ma faute parce que je vous ai suivi. Mais est-ce que vous êtes posé la question? De savoir? Non, mais si vous l'avez pas trop. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous, moi, je suis pas juge. Du coup, je t'ai dit mal à qui? Vous avez deux sens à quelque chose. Madame, vous le quittez. Bon, écoutez, moi, je vous dis sincèrement ce que j'en pense. Je vais me calmer, on va tous se calmer et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'appeler. Dans 2 semaines, c'est moi, je le récupère en prison et si il vient vous voir, je serai avec lui. Parce que s'il vient tout seul, j'ai peur que ça fasse des problèmes. Si vous voulez pas aller chez elle ni chez toi, c'est parce que vous voulez pas que le voisinage vous voit. On est d'accord, c'est nos histoires. Je suis d'accord. Mais si comme il vous a dit, il y a des hôtels qui existent. C'est le respect. Écoutez, vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal, madame? Vous trouvez que c'est normal, monsieur? On se serre la main. On se revoit dans 2 semaines quand Thibaut sort de prison, d'accord? Voilà, moi je me mêle pas de vos histoires, je vous dis juste... Il m'a appelé, il m'a demandé détective privé, vous savez. Madame, détective privé, c'est... Vous pouvez pas dire... C'est interdit. Non, c'est le matin. Mais c'est... Je suis même pas. Mais est-ce que c'est pas mon cas? Mais qui est le détective privé? Il n'y a pas d'état fédéré, je peux vous attaquer alors. Moi, je suis quelqu'un qui fait une vidéo sur Internet. Ah, non, super. Donc moi aussi, demain, je mets sur Internet.
et je peux aller suivre les gens comme exactement. Je peux aller devant chez exactement. Eux. Exactement. C'est le but d'une caméra cachée, madame. C'est bien quand même. C'est le but d'une caméra cachée. Ça s'appelle une caméra cachée. Et justement, vous n'êtes pas réel. Donc, tant qu'on ne divise pas vos visages, on a le droit. Donc, on se revoit dans 2 semaines avec Thibaut. D'accord, parce que vous avez l'air de... Vous avez arrêté de me filmer, vous avez surtout bien. Si vous voulez, on le verra dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez de filmer. Comme ça, je vais arrêter de filmer. Non, non, vous me respectez. Je vous respecte et je vous parle tranquillement. Bon, voilà les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je suis encore... Bah, il a servi à rien. Ouais. On l'a pas vu de la vidéo. Il est resté dans la voiture, il a eu peur. Oui, oui. Dis-le que t'as eu peur. J'ai eu peur. Ouais. Son Instagram s'affiche ici. Ouais. Max Soumichou. Bon voilà les gars, vous l'avez compris, j'ai eu Thibaut au téléphone. Et il sort dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, je me suis arrangé avec lui. J'irai le récupérer au Beaumettes. Et on ira voir sa femme et le mec avec qui elle le trompe. Donc voilà, dans 2 semaines il sort, dans 2 semaines on le récupère. Donc cette vidéo... Bon, elle est tournée aujourd'hui, nous on le verra dans 2 semaines, mais on va faire en sorte de sortir les vidéos les unes après les autres. Mercredi prochain, on sortira à la suite. Faites attention à vous, n'allez pas en prison. Ouais. Et si et si vous avez une femme qui... qui était là. Ouais. Gros bisous à vous. Rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamoff. Et bonne soirée. Attendez. Mot de la fin.